Hi YouTube, my name is Sven, welcome to the Metal Foundry. We are now on location with Invaders Amplification in Belgium, in Huy. And I'm sitting here with François, who is the owner and the founder and the main guy behind the amplifiers. Since he is French speaking, we will do the interview in French, but I will do the subtitling under here. And yeah, so let's go. Let's go. Alors, ouais, enchanté François. Bonjour, enchanté. Merci pour ton accueil. Hein, c'est... Bah, avec grand plaisir, ouais. C'est toujours un grand plaisir de recevoir des youtubeurs ici. Ah, c'est... Oh, je suis pas le premier, je crois. Je suis pas le premier, non. Beaucoup de francophones, évidemment, ouais. mais pas de soucis. Désolé pour l'anglais, mais... Oh, y a pas de soucis. Pour c'est... avoir plus facile, on va le faire en français, alors... Ouais. Bah, dans ce cas-là, c'est juste si c'est mieux pour toi, plus facile pour toi, le contenu sera plus chouette aussi pour toi. Si. Pour moi, l'important, c'est que toi, tu sois à l'aise et voilà. Le reste... Il faut que tu sois à l'aise aussi, évidemment. T'inquiète, on va y aller. Hein. Okay. Et donc, Invaders, est-ce que tu sais un peu expliquer d'où ça vient et comment tu as commencé? Alors, j'ai tout simplement commencé avec mes études d'ingénieur du son à la SAE. Mmh. Et à partir de là, j'ai fait un mémoire sur une tête d'ampli à lampe. Et en fait, tout est venu de là, en fait. Un bon résultat à la fin de l'année avec ce mémoire-là. Et j'ai pris goût. J'ai d'abord fait des cabinets pour les haut-parleurs, ouais. Donc tout ce qui était menuiserie. Et puis est venue vraiment la réparation électronique, vraiment réparation ampli, pas digital, mais vraiment ampli à tube. Et là, c'est vraiment, j'ai vraiment pris goût. C'était fort manuel déjà de base, et je suis fort manuel. Donc voilà, tout est parti de là. Réparation grande marque, Marshall, Fender, je ne sais pas si on peut les citer, mais voilà un petit peu d'où je viens. Et il y a quelques années, donc maintenant c'est depuis 2019, on a lancé notre propre gamme d'ampli. Okay. Donc avec toutes les réparations que j'ai eues au fil du temps, je me suis dit, faudrait peut-être se mettre à concevoir soi-même et vraiment avoir une identité personnelle à la marque. Et donc voilà, avec le temps, j'ai lancé Invaders au niveau de l'amplification aussi. Ouais. Pas que les box est toujours là évidemment, mais vraiment avec les têtes d'ampli à lampe. Ouais. D'accord. Et tes amplis sont basés sur quel genre de parce que ton ampli préféré à l'époque, c'était lequel en fait? Voilà, ici, moi, je suis plutôt high gain, donc ouais. un peu plus métal, rock dur. Ouais. Maintenant, voilà, on s'est vraiment parsemé dans tous les styles, donc vraiment dans le clean, crunch, et également dans le high gain, plus Soldano, tout ce qui est vraiment ampli high gain typique américain, en tout cas. Ouais, d'accord. Et on a fait un tour, on va faire aussi un tour tout à l'heure de ton atelier, ouais. Ou pendant le B-roll. Tout est vraiment fait à la maison ici. Hein, ouais, donc... exactement. Donc tout est fabriqué, pas les composants évidemment, ouais, hein, ouais. On est d'accord, mais assemblé et monté à la main, ouais, effectivement, dans notre atelier ici. Que ce soit au niveau même du recouvrement du caisson que vous avez derrière vous, tout est fait ici à l'atelier. Ouais. Ouais. Ok. Et au niveau des composants, comment tu les sélectionnes? Qu'est-ce que tu attends d'un bon ampli high gain? Alors ici, effectivement, il y a eu beaucoup de temps de recherche pour trouver les meilleurs composants pour nos amplis, en tout cas. Déjà, avec la réparation, j'avais quand même assez bien de fournisseurs pour agrémenter mon stock de composants. Maintenant, voilà, on a vraiment sélectionné ce qu'on voulait, ça a pris du temps. Maintenant, on est très stable, parce que ça fait déjà maintenant pratiquement 4 ans que je fais ça au niveau de l'amplification, donc de construire mes propres amplis. Donc voilà, c'est des fournisseurs un peu à droite à gauche en Europe, aux États-Unis. Donc évidemment, les pays asiatiques, ça, on ne peut pas faire l'impasse là-dessus parce que tout vient de là, hein, ça, ouais. On est bien d'accord. Donc voilà, mais ça reste quand même des composants de qualité, même s'ils viennent de Chine, quoi. Il n'y a aucun souci avec ça. Et au niveau tube, tu as aussi eu un peu un effet Ça, c'est toujours la question piège, évidemment, dans les interviews. Il y a 3 ans, on n'aurait pas dit ça, mais là, depuis quand même quelques mois, oui, c'est toujours la problématique du stock des tubes. Alors, il y a du stock, ça, c'est pas un problème. C'est juste le problème qu'on ne peut pas se diversifier dans plusieurs références comme il y a plus de 3 ans, où je pouvais vraiment proposer ce que le client... avait au niveau du portefeuille, parce que un tube ça coûte cher. Oui. Donc ici on est vraiment bloqué sur 2-3 références au lieu de 5-6 à l'époque. Et voilà, mais il y a du stock, il faut juste savoir bien le gérer parce que les délais d'approvisionnement sont assez énormes. Ouais, ouais. Donc voilà, ici on a bien géré pendant la crise, qui est toujours la crise, hein, on va dire ça comme ça. Ouais. Mais oui, ça reste
potable au niveau stock. Ouais. Et ta gamme actuelle, est-ce que tu sais un peu expliquer à quoi ça ressemble, certaines références, et à quoi ça ressemble comme son Ouais. Alors nous, on a deux types de références, enfin deux types de gamme d'ampli. On a vraiment la série high gain, donc ça soit 850 Devil et le 950 Badass. Et nous avons aussi la série un peu plus plug and play, le 535, le 550 Bluegrass ou Blue Lemon, où là on est vraiment sur des monochannel, clean, crunch, un petit peu Fender. Ouais. En mieux, je le dis toujours peut-être en mieux pour pas me vanter, mais voilà, c'est toujours mieux, peut-être mieux travailler que Fender, mais voilà, pour avoir vraiment un gros panel de sons. Et dans ce cas-là, pour traduire, ça veut dire que les high gain, c'est vraiment high gain, et le reste, c'est vraiment des bonnes plateformes pour les pédales, en fait. Exactement, donc la partie mono, mono channel, clean, ouais, crunch, c'est vraiment une série pour plateforme pédale, pardon. Ouais. Et donc oui, on peut vraiment tout faire avec ça, avec ce genre d'ampli-là, parce que tu peux mettre une overdrive sur en pédale avec un clean, très clean, bon, enfin un ampli métal en fait, tu vois, ouais. C'est ça qui est cool. Ouais. Ah, c'est un peu comme on fait avec les anciens Marshall, des trucs. Ouais, hein, voilà, exactement. Et quand toi tu devrais sélectionner ton ampli préféré dans ta gamme, même pour le high gain, genre Devil Driver, ouais, ou genre... Ce qui a demandé le plus de travail, c'est évidemment les high gain, parce qu'on a dû vraiment concevoir de A à Z, ouais, même si on a rien inventé, hein, ouais, l'amplification, ça reste de l'amplification. Ouais. C'était juste au niveau circuit, au niveau comment on va fabriquer cela, si c'est du PCB, si c'est du vraiment fait à la main, ce qui est le cas d'ailleurs. Mais voilà, c'est vraiment ma partie préférée, je pense que ce sont les high gain, bah, ça reste quand même dans ma veine de plus métalleux que du clean crunch, même si j'adore mes amplis, toute la gamme évidemment, hein, sinon ouais, je les aurais pas fait, c'est toujours ça le truc quoi. Non voilà, c'est plutôt high gain, ouais, ouais, évidemment. Ouais. Ouais, c'est parfait pour le public et Metal Fan Ruin, en ouais, fait. Exactement, qui sont, ouais, exactement. C'est pour ça que t'es ici, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Ouais. Et tu construis aussi tes propres baffles. Tu as des 2x12, 4x12, ouais, 1x12. Ouais. Alors ici, pour le moment, j'ai envie de dire, ce qui tourne le mieux, c'est même les 1x12 et les 2x12. Okay. Les 4x12, ça devient tout petit peu obsolète quand même, parce que voilà, il y a le transport, ça coûte cher, parce que tout a augmenté évidemment, hein, que ce soit le bois, les haut-parleurs et tout le reste, hein. Donc forcément les gens ont peut-être un budget un peu plus serré pour le haut-parleur, donc en fait on a vraiment développé des gammes de 1x12 et de 2x12, des 2x12 même à la verticale pour que ça ressemble vraiment à un 4x12 mais coupé en deux, quoi, ça. Ah oui, c'est ce qui dit aussi la taille des têtes, ça se voit, c'est vraiment conçu presque pour les 2x12. Hein, ouais, exactement, ouais. On a fait vraiment pour que ça soit typé avec le 2x12. Et en combien watts? Au niveau de l'amplification, ouais, donc les têtes d'ampli, on tourne toujours dans les 50 watts, donc au niveau high gain, mais okay, toujours avec un switch pour diviser la puissance en deux. Okay. Donc on fait un 50, 30, 35 watts, allez, 25 watts pour être théorique. Ouais. Et tous nos autres amplis, c'est également la même chose. Donc c'est 50 watts avec le monochannel Bluegrass 550. Okay. Et tous les 535, c'est les 35 watts divisé par deux. Ah, donc le numéro, série 9, non, la série 8, voilà, c'est un peu mémotechnique, mais voilà, donc on a la série 5 avec toujours les deux derniers chiffres, c'est 50 watts, donc 550, série 5, 50 watts, okay, et la série 8 ou la série 9, mais toujours avec 50 watts. All right. Mais c'est vraiment cool parce que aussi les différentes finitions sont possibles, tu fais aussi customized, ouais, sur mesure. Ouais. Alors depuis le début, donc quand j'ai commencé à tout ce qui est caisson et tout ça, donc c'était vraiment au niveau de la customisation qui était très fort intéressant pour le musicien, et donc vraiment choisir ce qu'il voulait au, ouais, niveau de la finition, le recouvrement, le grill, le logo parfois aussi. Donc vraiment on est resté sur la même optique depuis maintenant 10 ans, depuis que j'ai commencé cela déjà, ouais, et on reste sur la même optique, donc de faire ça sur les têtes d'ampli aussi, quoi. Ouais. Et effects loops, c'est aussi possible d'avoir les... Alors effectivement sur les high-gain il y a une effects loop effectivement qui est désactivable au foot switch, okay. Par contre sur la série 5 ce n'est pas prévu parce que c'était pas dans l'optique de l'ampli, parce que c'est plutôt du vintage et ouais, voilà, on préférément que ça soit plug and play, et d'ailleurs ça sonne même pratiquement mieux en plug and play qu'avec une boucle d'effet, parce qu'on a déjà fait des tests et tout ça, donc, oh oui, donc bien, voilà, sûr. C'est pour ça qu'on a vraiment resté simple dans cette série. Tu attaques vraiment le preamp et le power amp avant voilà, avec les effets, ouais. All right. Ouais. Niveau
tubes EA34, 6 à 6. Ouais. Alors ici, évidemment, on varie beaucoup aussi ce genre de tubes parce que c'est important au niveau du son. Donc on a la série Bluegrass qui est en 6 à 6. Les Blue Lemon est en EL34. Le Badass qui est derrière moi, il est en EL34 et le Devil, il est en 6L6. Donc c'est vraiment pour marier vraiment tout ce qui est sonorité, que ça soit plus british, plus ouais. américain et parfois mêler les deux en même temps, c'est cool aussi. Donc voilà, c'est vraiment le principe de la marque aussi, c'est de varier les références de tube. Ouais. Ouais. Quand tu commences à faire l'ampli, c'est quoi la première étape quand tu commences un ampli Alors la première étape, c'est soit on commence par le caisson, parce qu'il y a deux univers différents, donc il y a la menuiserie au niveau de recouvrement du Tolex qu'on va choisir avec le client mm-hmm. ou par défaut, tout dépend un petit peu de ce que le client souhaite, et on a la partie électronique, donc où il y a le châssis électronique mm-hmm. où là on va assembler toutes les pièces que je parlais de tout à l'heure, donc ouais. vraiment toutes les pièces qui vient se visser sur le châssis, et à partir de là aussi on va souder tous les composants pour former la partie électronique de l'ampli et tout simplement pour avoir du son. Ah, très bien. Et l'osmose vient après avec le caisson en bois et le châssis électronique. Et le baffle, oui, pareil. C'est pareil, oui, exactement. Très bien. Cool. Quel haut-parleur est-ce que tu préfères dans ce cas-là pour mettre dans tes amplis, dans tes baffles? Ici, l'idéal, quand c'était avant le Covid ou même bien avant le Covid, c'était les 4x12, hein, ça c'était ouais. vraiment le produit phare qu'on vendait assez bien d'ailleurs, parce que voilà, c'était le mur du son quand on avait ça, c'était vraiment cool, surtout avec une tête Aigen ou même n'importe quelle tête d'ampli. Donc on travaillait beaucoup avec Celestion, on travaille toujours avec Celestion, on est passé aussi sur Eminence, qui est une marque américaine, qui fait des très bons produits aussi, mais là on a un peu du mal à travailler avec eux, tout simplement parce que tout est devenu très cher et il a fallu sélectionner vraiment un haut-parleur plus adéquat au niveau du prix. Malheureusement, c'est toujours ça qui revient à l'heure actuelle et je pense que c'est dans tous les domaines. Mm-hmm. C'est toujours le prix. Mais voilà, ici, on travaille vraiment avec les deux marques, que ce soit avec Celestion, les Héritage 65, qui sont très bien pour les Aigen, et les Eminence Legend, qui sont très bien aussi pour le client. Crunch ouais. dans les monochannels. Et V30? Le V30, alors ça c'est le sujet un peu sensible chez nous. Nous on aime bien le V30, mais juste le nom en fait. Parce que voilà, c'est pas l'ampli, enfin le haut-parleur, pardon, le plus adéquat, je trouve. Il y a tellement mieux. C'est ça en fait. Le V30 a été tellement commercialisé dans tous les cabinets qu'on a sur le marché qu'en fait il n'y a plus aucune originalité d'avoir un V30 si tu fais du custom. Quoi. Donc ouais. autant mettre un haut-parleur qui sonne pour moi mieux qu'un V30, ou alors faire un mix de V30, comme ça je serais d'accord avec tout le monde. J'aurais pas de soucis par la suite, mais faire par exemple dans ce que je faisais avec les 4x12, donc faire deux V30 et deux T75 ou des cassants, peu importe, ouais. mais vraiment pour faire un mix de haut-parleurs. Ouais. Mm-hmm. Ouais, mais c'est comme tu dis, en fait, c'est si tu veux vraiment aller vers le customized, tu fais ta propre chose, ouais. et si tu parce que sinon ça devient trop générique, quoi. Donc, ouais, ça devient trop générique, et puis, ouais. Et puis le son, on peut avoir bien mieux que des V30, je suis désolé, ça, il y en a qui aiment bien les V30, il n'y a pas de souci, nous on en met, il y a. Voilà. Mais parfois peut-être, est-ce que tu as testé d'autres haut-parleurs? Pas encore, voilà. C'est ça peut-être le problème parfois qu'on se dit, pourquoi les marques prennent que du V30? Ben, tout simplement c'est une question de prix, hein. Oui. Voilà, il ne faut pas se voiler la face. C'est juste qu'ici il y a des haut-parleurs qui coûtent peut-être 10 euros ou 20 euros plus cher pour la marque en question et qui pourraient les mettre dedans sans problème et on a un meilleur son. Ouais. Ouais. Mais parce que tu as aussi ta propre collection IR sur... Sur Tonos, effectivement. Donc ça, on a eu la chance de rencontrer le big boss qui est en France et qui s'appelle Guillaume et qui est un mec super sympa, vraiment très très sympa. Et ici, depuis donc 2 ans, je pense, on a nos propres IR sur la plateforme Tonos, donc tout ce qui est Captor X et toute la clique. Donc voilà, on a vraiment la chance d'avoir les 4x12, le 2x12, le 1x12, le box bass qu'on a aussi. Ouais. Donc franchement, c'est vraiment un top pour s'ouvrir même mondialement
virtuellement, donc ouais, mondialement et virtuellement. C'est ça qui est vraiment top. Et est-ce que ça capte vraiment l'esprit de tes enceintes? Alors effectivement, donc on les a pas fait nous-mêmes parce que c'est un autre procédé que tout ce qui est Kemper, ouais, et accès fixe. Donc c'est vraiment un autre procédé au niveau captation en tout cas, de profil. Donc on a laissé faire ça, on a laissé faire des ingé-sons, donc au Noise Factory, Gérald qui a fait ça très bien, ouais, qui travaille pour Two Notes aussi. Et franchement, après le résultat donc, et la comparaison est vraiment wow, bluffante parce que bon, tu peux régler beaucoup de paramètres dans le Two Notes, on est d'accord, ouais, la reverb, tout ce qui est fréquentiel et ainsi de suite. Mais quand on met vraiment le haut-parleur tel quel avec celui qu'on a pris, donc vraiment le véritable de la captation, on se dit ah ouais. Là, il y a quand même un beau travail de réalisation et de réalité, ouais. Parce que pour moi, ce produit, j'ai le Captor X 8 ohms, c'est un rêve, quoi. Pour moi, pour tester des têtes amplis, j'ai pas besoin, c'est toujours le même son, ouais, je suis pas dépendant du placement des micros et tout. Voilà, ça c'est vrai que pour l'utilisation de tous les jours et même, ouais, même en live, ou même, voilà, nous on l'utilise beaucoup pour les salons d'instruments de musique parce qu'on peut pas faire de bruit, donc ouais. Donc on met le au casque, hein, et les gens testent nos têtes d'ampli au casque avec nos propres IR sur le capteur. On rend la classe, quoi. C'est pas comme si tu prenais un box d'un concurrent. Ouais. Et voilà. Mais ici, c'est vraiment l'efficacité du produit, que ça soit au casque, en enregistrement, même en captation de live, hein, parce que ouais, parfois c'est beaucoup plus facile. Hein, y a rien à faire. Ça reste un produit top qualité. Ouais. Non, parce que dans ce cas-là, tu sais combiner le vrai tête d'ampli à tube avec le modeling moderne, quoi, ouais, pour travailler, ouais, plus léger aussi, donc travailler plus léger. Exactement. Et les salons musique, instruments musique, ce, ouais, sont lesquels que tu visites en général? Alors, on a commencé juste après le Covid, parce que bon, c'est vrai qu'on a lancé la gamme en 2019, donc il y a eu le Covid, hein, pendant un an et demi, on va dire ça comme ça. Et on a commencé juste l'année passée à faire des salons, que ce soit à Paris, à Montreux, à Mannheim en Allemagne. Mm-hmm. Et on répète l'histoire aussi cette année. Donc on a déjà fait Paris, on revient ici de Montreux en Suisse. Et on prépare Mannheim aussi pour septembre. Ouais. Et pour être fondé en 2019, tu as déjà quand même certains artistes assez renommés sur ta, ouais, sur ta page, ouais, sur ta liste, quoi. Effectivement. Ouais, depuis 2019 quand on a vraiment lancé la gamme d'ampli, pas les cabinets parce que les cabinets c'était déjà avant, okay, mais la gamme d'ampli c'était vraiment le but était vraiment de trouver des artistes qui pouvaient faire connaître la marque. Et donc on a prospecté, on a vu beaucoup d'artistes qu'on connaissait déjà. Michel Brasseur, ça c'est un des premiers qui est arrivé dans l'univers d'Invaders en fait, et puis après on s'est quand même attaqué à des plus grosses pointures et comme Black Mirrors, mm-hmm, ça c'était en 2019, c'était vraiment notre premier groupe un peu international, on va dire, ouais, ça comme ça, parce que c'est maintenant ils font des grosses tournées et, mm-hmm, et voilà, c'est devenu des amis et ainsi de suite et ainsi de suite, et on s'est tourné vraiment aussi vers le côté de la France parce que bah, voilà, on est dans la partie francophone de la Belgique, mais on a aussi toute la France qui s'est ouverte à nous en fait, ouais, et on a eu récemment Skip the Use qui est venu se rajouter dans le panel d'artistes qu'on, okay, Invaders, et voilà, ça monte tout doucement, et je trouve que step by step, on arrive à des artistes qui sont quand même bien renommés, et qui aiment notre matos, c'est important, parce qu'on va pas non plus choisir un artiste et le forcer à jouer sur l'ampli, ça sert à rien, ouais, et si l'artiste aussi ne veut pas mettre en avant les amplis, bah, on va pas non plus le forcer à faire ça, parce que ça ne sert à rien non plus. Mmh. Ici c'est vraiment un partage mutuel entre l'artiste et nous, et c'est comme ça qu'on fonde la famille Invaders, et on monte demain. Mais tu vois déjà une certaine autorité aussi en Flandre, parce qu'il y a aussi un groupe qui partage, ouais, une petite partie de ton nom. Ouais, alors je parlais de la partie francophone, voilà, j'oublie pas les autres évidemment, ouais, ouais. Donc on a eu aussi après Black Mirror je pense Evelyn Vedders, donc c'est le groupe thrash metal ouais, de Flandre, de Belgique, de Flandre, ouais, et qui tourne également à l'international et qui fait des grosses dates, ça, il faut le dire, effectivement, donc là il joue avec le 850 Devil, toujours aussi à fond les ballons avec Max de Evelyn Vedders, et on s'entend toujours très bien.
bien et on va voir comment se propage leur groupe durant cette année. Quoi, ouais. Ah ouais, très bien, oui. C'est un sacré croissance qu'ils ont eu. Oui, ouais. Parce que moi, je les ai connus avant le Covid et effectivement, bah, avant le Covid, je pense qu'ils devaient beaucoup se remanier et voir un petit peu comment ça allait aller et on ne savait pas ce qu'il allait se passer avec le Covid aussi. Mais là, depuis l'été dernier, je pense que voilà, ils ont prouvé qu'ils pouvaient faire des grosses dates, que ça soit même au Grass Pop cette année au Hellfest. Oui. Donc voilà, ça commence à bien pousser et on est fiers d'être avec eux. Ouais. Et ouais. Je pense que eux aussi. Ouais. Ouais. Même cool. Si on porte un peu le même nom, mais ça n'avait rien à voir avec la marque et le groupe. Et c'est juste parce que voilà, ils avaient joué sur nos box au Urbu Rock Festival. Ouais. Il y a Perpète et ils ont pensé à nous au niveau de l'amplification et voilà, on s'est mêlé d'amitié et c'est toujours des amitiés, et, enfin le travail, l'amitié et c'est toujours ça qui est chouette quoi. Tu joues toi-même ? Alors, ça c'est toujours un peu spécifique comme question. Moi je suis musicien de base, on va commencer comme ça. Très bien. Je suis musicien et ingénieur du son, je suis batteur, right. Je ne joue pas beaucoup de guitare. Voilà, je ne joue pratiquement pas de guitare du tout, juste pour tester les amplis quand ils sortent, et même je délègue ce travail-là, tout simplement parce que voilà, je n'ai jamais vraiment eu une accroche avec la guitare, avec l'instrument, je parle bien, oui. Que ce soit même au niveau de la basse, j'ai toujours été batteur dans les groupes. Alors j'ai toujours dit que Jim Marshall était batteur et que Leo Fender n'avait jamais vraiment joué de guitare de sa vie. Ça c'est vrai. Donc on va dire que je suis bien. Oui, mais dans ce cas-là, parce que beaucoup de personnes pensent qu'il faut être guitariste afin de savoir construire des amplis, quoi. Ouais. Mais parce que le fait que tu n'es pas guitariste d'origine, c'est quoi la différence selon toi pour différentes approches pour regarder l'approche est très différente ici, comme je ne suis pas guitariste au niveau sonorité, mais que je m'entoure vraiment de pointures au niveau des oreilles guitaristes. Et vraiment, là, je travaille avec quelqu'un qui est guitariste et qui a une très bonne oreille, et on s'entend comme ça, en fait. Et lui, il me dit de faire ça au niveau de l'EQ, par exemple. Et ben moi, je le transforme dans ma tête en électronique et ainsi de suite. On est vraiment un bon binôme. Il s'appelle Pascal, d'ailleurs, Pascal Gonda. Mais voilà, on a travaillé comme ça pour réaliser tous les amplis de la gamme et ça a toujours bien fonctionné. Et je trouve ça vraiment cool qu'il y ait deux personnes qui travaillent sur l'ampli, quelqu'un qui est plus dans l'électronique et quelqu'un plus dans la guitare et dans l'instrument en lui-même. Mm-hmm. Parce que s'il n'y a qu'une seule personne, bah, ça peut être un peu bizarre au niveau de la conception, c'est fort élitiste, et alors que là on travaille en binôme et c'est bien mieux, même si on fait tester à d'autres guitaristes avant de mettre ça sur le marché, évidemment, mais voilà, on s'améliore de jour en jour aussi avec des updates et ainsi de suite en fonction de la production, mais voilà, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne ici. Et c'est quoi pour toi le cible, le rêve pour Invaders Amplification? Le rêve, bah, c'est que ça fonctionne déjà, c'est déjà pas mal. Je pense qu'il faut être faut rester vraiment neutre sur la question, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Il faut être positif chaque jour en se disant que ça va fonctionner. Mm-hmm. Parce que si on se dit pas ça, bah, ça ne fonctionnera pas, tout simplement. C'est comme pour tout dans la vie. Ici, le marché est un peu spécial, encore une fois, parce qu'il y a des crises, ça c'est sûr, il y a des crises de partout. Donc c'est un marché assez calme, on va dire ça pour le moment, mais voilà, c'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter. Mmh. Ici, voilà, on prend de l'ampleur quand même encore cette année, en allant un peu partout, à droite, à gauche, en ayant des artistes même outre-Atlantique, donc c'est vraiment, vraiment chouette. Je peux pas encore dire de nom, mais voilà, ça arrive heureusement. Okay. Wow. Donc voilà, c'est vraiment une question de jour après jour, on voit ce qui se passe et il faut donner le maximum. Ouais, très bien. Parce que là, il y a deux tendances sur le marché. Il y a la tendance des amplis qui deviennent de plus en plus petits. Il y a aussi la tendance des gens qui jettent leur ampli, qui prennent un modeleur. Moi, je ne suis pas parti la dernière. Moi, j'adore encore le truc, le grand ampli. Le truc physique. 4x12, peu importe. C'est vrai qu'on est plutôt dans cette optique-là. Maintenant, c'est vrai, voilà, je peux admettre qu'il y a
beaucoup de petits amplis qui fonctionnent relativement bien. Maintenant, on est aussi dans le dernier maillon de la chaîne d'un achat d'un musicien, enfin d'un guitariste même précisément. Je pense que le guitariste va d'abord acheter une guitare, puis des effets et puis des amplis. Et l'ampli, on va un peu le laisser de côté. Et c'est malheureux parce que je pense que l'ampli va donner toute la quintessence de la guitare qu'on a achetée et de la pédale. Oui. Alors que si on a un ampli un peu plus bas de gamme, maintenant voilà, chacun son budget évidemment, ça je suis totalement d'accord. C'est un peu bête en fait, tout simplement parce que l'ampli est très important en fait, parce que c'est celui qui va procurer le son de la guitare en somme. Oui, c'est ça. Et donc voilà, moi je trouve qu'on devrait, dans la chaîne de l'achat d'un guitariste, je trouve qu'on devrait mettre un juste milieu dans tous les paramètres, que ce soit la guitare, les accessoires comme les pédales et l'ampli aussi. Voilà, moi c'est mon point de vue. Maintenant je peux comprendre le budget, c'est toujours comme ça. Et parce que parlons du budget, quel budget faut-il imaginer pour un Invader Sample? Alors on reste quand même très concurrentiel par rapport à des marques boutiques américaines ou même européennes. Ici on tourne entre 1000 et 2000 euros pour une tête d'ampli, ce qui n'est pas très cher en somme pour du fait main ici en Belgique avec des composants de qualité. Donc voilà, c'est à peu près cette table là plus il faut rajouter peut-être le caisson, le cabinet forcément, mais bon voilà, ça c'est aussi un coût. Mais voilà, c'est fabriqué en Belgique, c'est ça qu'il faut se dire, c'est pas fabriqué en Chine ou même au Mexique, c'est fabriqué ici en Belgique, quoi. The real made in Belgium. Voilà, exactement. Hell yeah. Mais déjà un grand merci François pour ton temps, pour cette interview. Merci à toi. I will switch now to English for my viewers to thank you all for watching. If you have questions for François, put them in the comment section. I'll make sure he gets them and he can answer them afterwards. If you like the video, please give it a thumbs up. And if you like the content that I'm making on this channel and you want to help me grow my channel, please subscribe and click the notification bell to be notified whenever I upload a new video, which will be every single week. My name is Sven, you've been watching The Metal Foundry, and I'll see you in a future video. Bye! Ciao! Ciao!